Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 22 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le 5 de l'air. C'est la peur, tout ce qui est au point de vue air. Là, on voit qu'il y a des plumes, il y a un oiseau. Eh bien, c'est le niveau spirituel, c'est le mental. L'air, voilà, c'est le niveau spirituel et le mental. Le 5 d'air, de l'air, pardon. Son essence, eh bien, bon, comme le dit la... comme c'est noté sur la carte, il y a la peur. Ça peut être aussi un trouble spirituel, une confusion, peut-être aussi peur des changements et peur de la défaite. Alors, l'essence aussi, c'est douter de soi-même, chagrin d'amour. Alors, le message intérieur, eh bien, cette carte, elle reflète la peur, comme elle l'indique, mais de notre propre insuffisance et de notre défaite éventuelle. Mais elle nous incite en même temps à porter un regard plutôt en profondeur qu'en surface. La peur de la vie que nous portons tous en nous, sous une forme ou une autre, ne peut être désamorcée qu'en la regardant de façon précise. Si nous portons, eh bien, notre attention sur notre peur, sans continuer à nous identifier à elle, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît, n'est-ce pas? Soyez conscient du fait que vous n'êtes pas votre peur. Si vous sentez cette peur en vous et que vous ne vous identifiez pas à cette peur, rien ne se passera. Elle disparaîtra. Par contre, si vous avez peur et que vous ressentez des choses pas trop belles en vous, c'est que vous êtes en résonance avec cette peur. La manifestation extérieure, eh bien, cette carte, elle vient vous dire que ce n'est pas un moment favorable pour entreprendre des changements décisifs. Le moment est plutôt venu de se pencher vers son intérieur pour l'écouter et de reconnaître que de se jeter aveuglément dans quelque chose ne conduit qu'à des conflits et des troubles plus profonds encore. Donc c'est pas le moment. Restez tranquille. Alors la vraie compréhension est donc la connaissance et la perception d'une situation. N'est possible, évidemment, que dans le calme et avec une certitude, avec une certaine distance intérieure et extérieure. Donc tout projet que vous avez pour le moment, stand-by, oui, en stand-by, parce que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il y a ces peurs, n'est-ce pas,
qui vous appartiennent, dont vous êtes en résonance. Donc, on ne va pas courir après cette peur et faire des choses qu'on pourrait regretter par après. Donc, voilà, ce n'est pas le moment. Il y aura un bon moment pour effectuer les choses que vous avez envie de faire. Et pour le moment, ben, vous restez en stand-by. Super message, pardon, encore, n'est-ce pas? Je vais terminer avec l'oracle de l'évolution. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Oups, aurait-ce une résonance avec la peur? Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Peut-être, voyez, ce message, il n'est pas anodin. Peut-être que vous vous mettez une pression avec cette peur que vous avez et que vous pourriez regretter ce que vous allez faire ou mettre en place. Donc, pour le moment, faites comme le pendu, ne faites rien. Il y aura des jours meilleurs pour vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain dans un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ce que vous aimez et prenez soin de vous en douceur. Et moi, je vous embrasse. À demain.